بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الحمد لله nous nous retrouvons à nouveau afin d'augmenter notre foi et nous allons débuter et commencer par prendre conscience du grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis d'accueillir et d'atteindre le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité le jeûne du mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal, il nous a facilité les portes du bien, la prière durant les nuits du mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal nous a laissé vivants jusqu'à accueillir les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et là, nous en sommes quasiment à la moitié des 10 dernières nuits. Et ça, en réalité, c'est quoi? C'est l'exemple de nos vies, en réalité. Ça, c'est l'exemple de notre vie. Regarde, tu nais, ton enfance. Regarde, subhanallah, ton enfance, en un souvenir, ça y est, tu réunis tout ton... des 15 ans de ton existence, en un souvenir, ça y est, c'est balayé. Regarde tes enfants. Regarde tes parents, regarde autour de toi comment en réalité cette vie, celui qui en réalité s'accroche à cette vie, wallah, il a tout perdu. Celui qui s'accroche à cette vie, celui qui pense que tout est dans cette vie-là, c'est un miskin en réalité. C'est un vrai miskin. Et le Ramadan a un grand lien avec la mort. Et on avait déjà évoqué ce sujet-là. Le lien entre le Ramadan et le maut. Et ça, subhanallah, c'est ce que l'on vit. Regarde, ce mois de Ramadan, il y a encore quelques jours, on ne savait pas, c'est demain, c'est pas demain. Qu'est-ce qu'il dit à tel, la lune, ceci, tel pays commence, tel pays. Ça y est, ça c'est. On est déjà, subhanallah, on va se poser bientôt les mêmes questions avec l'Eid. Ramadan, il rentre, l'Eid, il arrive. Et ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre vie. C'est pour cela qu'en réalité, il est important de saisir chaque moment. Et ça, et là, on trouve la beauté de la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'apprends rien à personne. Strictement rien. Il n'y a pas de choses nouvelles, mais on a besoin du rappel. Parce que le musulman, lorsqu'il entend ce qu'il sait d'autrui, c'est là où que. Ou qui se disent, mais en réalité, c'est ça. Et cet exemple-là, ça ne suffit pas de dire, comme on le dit souvent, ah ouais, subhanallah, ça passe vite. Hein. Ouais, et après. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle muhasabatu nafs. Ce qu'il faut, c'est de regarder toi. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est pour cela que l'ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Lorsque, vous souvenez le hadith que l'on a cité dans le khutbah Jumu'ah, où Aïcha radiallahu anha, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, vois-tu que si je coïncide avec Laylatul Qadr, si je tombe durant la nuit qui est Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Il lui a dit, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es Al-Afu. Arrête, Al-Afu, il faudrait un cours entier pour expliquer ce qu'est le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Afu. Al-Afu, celui qui préserve
la personne de tout mal, celui qui passe et qui purifie et qui pardonne les péchés. Mais bi'idhnillah, si Allah Azza wa Jal me le permet, on essaiera d'étudier ce nom. Allahumma innaka afuun. Oh Allah, tu es al-afu. Allah Azza wa Jal, il est le pardonneur, le grand pardonneur. Tuhibbul afwa. Tu aimes le pardon, fa'afu anni. Alors pardonne-moi. Les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que dans ce hadith, notre attention, elle est tirée sur deux choses. La question et la réponse. C'est quoi la question d'Aïcha radiallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si je tombe sur cette nuit, qu'est-ce que je dois dire? Ça veut dire que les sahaba radiallahu anhum, ils savaient que cette nuit-là, que ces nuits, d'une manière générale, les nuits de Ramadan, ce sont des nuits d'invocation. Ce sont des nuits d'adoration. Ce sont des nuits de demande. Ce sont des nuits par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose sur laquelle on étudie ce hadith, c'est la réponse. La merveilleuse réponse du prophète alayhi salat wa sallam lorsqu'il lui dit, tu dis, Allahumma innaka afu. Donc il lui dit, tu dis. Ce qui prouve que durant ces nuits-là, on doit avoir une part pour l'ibadah, une part pour ad-du'a, pour l'invocation. C'est-à-dire que durant les 10 dernières nuits, durant les nuits, la plus grande partie de ta nuit, c'est la salat, c'est la prière. La plus grande partie de ta nuit doit être sur la prière. Et ensuite, ad-du'a. Et ensuite, al-Qur'an. Et ensuite, al-khair, les sadaqa, le bien. C'est comme ça que tu programmes tes nuits. Alors le prophète alayhi salam, il lui a dit cette invocation là. Pourquoi le prophète alayhi salam, il lui a dit cette invocation là et pas une autre? Ici les ulama, ils nous donnent deux explications à cela. Pourquoi c'est cette invocation précisément à ce moment là alors bien sûr tu peux invoquer Allah Azza wa Jal par toutes les autres invocations, demande ce que tu as besoin. Celui qui ne demande pas ce qu'il a besoin à Allah, Allah se met en colère contre lui. Et ça, c'est un rappel pour nous tous. Des fois, on passe des journées sans avoir levé nos mains et demandé à Allah ce qu'on a besoin. En réalité, on pense qu'on peut se suffire à nous-mêmes. On pense réellement qu'on peut se suffire à nous-mêmes. Impossible. C'est impossible. Tu ne peux rien, tu ne peux pas te suffire à toi-même. Demande les sahaba, les meilleurs des gens après les prophètes. Les meilleurs des personnages, les meilleurs des hommes et des femmes après les prophètes, ils demandaient même le sel dans leur repas. Al-milhu fi at-ta'am, ils demandaient. Non. Que dire de nous? Nous, on pense qu'on est préservé. Ça, c'est une erreur. Parmi les plus grandes ruses de Shaitan, c'est de nous faire croire qu'on est sauvé. Nous, c'est bon. La base. C'est bon. Ça fait partie des plus grandes ruses de Shaitan. Moi, je viens à la mosquée, moi, je fais mes 5 prières. Moi, j'ai été éduqué dans une famille musulmane. Mon père y a fait le hajj. T'entends toutes sortes de choses qui font que la personne, elle pense que ça y est, elle est sauvée. Elle, si elle meurt, elle va aller au paradis. Non, subhanallah, tu sais pas. Tu sais pas. Et c'est pour cela, écoutez bien, c'est pour cela que les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pourquoi? Et ça, on doit réfléchir, on doit méditer sur ça. On doit pas simplement répéter des paroles sans comprendre. Tu répètes Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, mais tu comprends pas ce que tu dis. Ça va avoir très peu d'impact. Mais quand tu prends conscience que c'est pas pour rien que le prophète alayhi salatu wa salam il nous a enseigné cette invocation à ce moment-là. Pourquoi? Les ulama nous donnent deux explications et les deux elles sont magnifiques. La première c'est laquelle? La première ils disent ça c'est l'exemple du croyant. L'exemple du croyant. C'est quoi l'exemple du croyant? L'exemple du croyant c'est malgré qu'il fait des adorations, malgré qu'il prie, malgré qu'il fait tarawih, malgré qu'il fait tahajjud, malgré qu'il a jeûné la journée, malgré qu'il fait des sadaqat, malgré qu'il a écouté un dars, malgré ceci, malgré cela, il voit toujours qu'il y a des manquements. Il voit toujours qu'il aurait pu faire mieux. Et il craint qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas ses œuvres. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit, et ceux qui font ce qu'ils font, et leurs cœurs sont effrayés, tout en sachant qu'ils vont revenir vers Allah. Lorsque Aïcha radiallahu anha a entendu ce verset, qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez le verset. Ils font ce qu'ils font. Et leur cœur est effrayé au fait de savoir qu'ils vont rencontrer Allah. Elle a dit, est-ce qu'on parle de ceux qui ont commis la fornication? Est-ce qu'on parle de ceux qui ont volé? Est-ce qu'on parle de ceux qui ont tué?
Le prophète alayhi salam lui a dit non. Là, Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? Aux croyants. Ils font les œuvres qu'ils ont faites, mais ils ont peur qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas accepté leurs œuvres. Ils ont peur, c'est ça le croyant. Le croyant, il ne se sent pas en sécurité. Une fois, je discutais avec un jeune, il m'a dit, moi je prie déjà, c'est déjà bien. Comme si qu'en fait, c'est un... Allah a besoin de sa prière. Comme si qu'Allah y attendait que tu priais. Allah a besoin de ta prière, non. Non. Les croyants, ils ne réfléchissent pas comme ça. Les croyants, ils ne sont pas comme ça. Peu importe ce que tu pries, peu importe ce que tu jeûnes, peu importe ce que tu saddaq, tu te dois toujours, toujours te remettre en question. J'ai été, j'ai pas été complet. J'ai des manquements. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal n'a pas accepté mon jeûne et ma prière. Dans ce cas-là, je dis Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Regarde, subhanallah, comment le premier acte, ou le premier axe de réflexion, c'est ça. C'est de se dire, toi, tu dois prendre conscience que tu n'as pas, tu aurais pu faire mieux. Et peut-être qu'Allah Azza wa Jal n'a pas accepté. Dans ce cas-là, tu fais cette invocation-là afin que tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner. Et là, on a la même chose avec quand on accomplit nos besoins. Qu'est-ce qu'on dit à la fin quand on sort? On dit Rofranek. Quand tu sors du toilette, sors du pied gauche, tu dis Rofranek. Rofranek, ça veut dire quoi? Rofranek, ça veut dire, ya Allah, pardonne-moi. Allah, est-ce que le fait d'avoir accompli tes besoins, c'est quelque chose de mal? Non. Et ça, les savants, ils en tirent quoi comme leçon? Ils disent que l'istighfar, le fait de demander le pardon à Allah, c'est à la fois pour des péchés que tu as commis, mais à la fois pour des manquements que tu aurais pu avoir. Et ici, c'est dans ce sens-là. Pourquoi? Regarde, subhanallah al-azim, quand tu as accompli tes besoins, Allah, en fait, Allah Azza wa Jal, en fait, toi, quand tu as fait ça, peut-être que tu es passé à côté du remerciement. Pourquoi? Pour les bienfaits qu'il t'a donnés. Quels sont les bienfaits qu'il t'a donnés? Allah Azza wa Jalla t'a donné la nourriture. Regarde, on a jeûné toute la journée. Là, on prend conscience de la valeur de la nourriture. Regarde, on a jeûné toute la journée. On prend conscience d'une bouteille d'eau. Des fois, subhanallah, quand tu as chaud, on peut te présenter n'importe quel plat. Tu dis, je veux rien, je veux juste ça. Juste de l'eau. Regarde les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés. Ce sont des bienfaits sur lesquels nous serons interrogés yawm al-qiyamah. L'eau, les dates, on sera interrogé sur cela. Que dire d'eux? Des différentes variétés, des différents plats que nous avons. Sur tout cela, on sera interrogé. Allah, il t'a donné des bienfaits. Deuxièmement, tu as pu les manger. Tu as pu les manger. Certains, Dieu a des maladies, ne peuvent même pas manger. Ils ne peuvent même pas manger, même c'est devant eux, même c'est à eux, même ils l'achètent, ils ne peuvent pas le manger. Regarde, Allah, il t'a permis de le manger. Allah, il t'a permis de l'avaler. Avaler ses aliments. Regarde n'importe quelle personne qui est malade, qui a des problèmes, qui s'est fait opérer, peu importe, qui doit simplement avaler, c'est une épreuve. Regarde-toi simplement quand tu as une angine. T'es là, t'es rouge, avalé. Regarde le bienfait qu'Allah t'a fait avaler. C'est pas tout. Allah Azza wa Jalla t'a permis de stocker cela. Imagine, dès que tu bois, tu dois accomplir tes besoins dans la foulée. Imagine, dès que tu manges, tu dois accomplir. Subhanallah, regarde la complexité que ça aurait été, la difficulté que ça a été. Regardez, Allah Azza wa Jalla t'a permis de stocker cela. Et en plus, Allah Azza wa Jalla t'a permis de digérer cela. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla t'a permis de digérer cela. Regarde, n'importe quelle personne qui est malade, qui a des problèmes de digestion, qui va prendre un aliment qui est allergique, ça va lui gonfler sa gorge, ça va le faire vomir, ça va... Subhanallah, regarde, Allah Azza wa Jalla t'a permis de digérer ces choses-là. Et ensuite, Allah t'a permis de les sortir avec facilité. Avec facilité. Tous ces bienfaits-là, est-ce que tu as remercié Allah Azza wa Jalla? Certainement pas. Dans ce cas-là, tu dis Rofranek. Tu demandes à Allah de te pardonner. Pourquoi? Pour les manquements que tu as eus. Donc ici, la même chose avec Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah Azza wa Jalla, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Deuxième explication que les savants nous donnent. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de Laylatul Qadr, Allah Azza wa Jalla dit, certes, nous l'avons envoyé, nous l'avons révélé le Coran, fi Laylatin Mubarakah,
en une nuit bénie. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, fiha yufraqu. Durant cette nuit, tout ordre, kulu amrin hakim, tout ordre descend, tout ordre est décrété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, 50 000 ans, écoutez bien, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah azza wa jalla a ordonné à la plume de tout écrire. Regardez cette assise là. L'un est assis à côté de l'autre, c'est pas pour rien. On est là ensemble, en même temps, le même jour, dans la même mosquée. On aurait pu aller ailleurs, non, on est tous ici. Pourquoi? À ce moment-là, parce que tout ça, c'était écrit. Tout ça, Allah Azza wa Jalla, il l'a voulu. Ça, c'est sous la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il a ordonné que tout soit écrit dans l'awh al-mahfouz. L'awh al-mahfouz, les pages gardées, les tablettes gardées, tout le destin est écrit auprès d'Allah Azza wa Jalla jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Tout est écrit. Ça, c'est ce qu'on est. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les taqadir. Mais il faut comprendre que tu as, il y a ce qu'on appelle le taqdir al-umuri, un décret pour toute ta vie. Ça, c'est lorsque tu es dans le ventre de ta mère, Allah Azza wa Jalla, il envoie un ange qui te dit la date de ta naissance, la date de ta mort. Est-ce que tu seras parmi les gens du paradis? Est-ce que tu seras parmi les gens de l'enfer? Ça, c'est ce qu'on appelle le taqdir al-umuri. Ensuite, tu as taqdir sanawi, un décret annuel. C'est ça. C'est celui qu'il est durant la Laylatul Qadr. Ça veut dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, durant cette nuit-là, il ordonne aux anges de prendre de ce qu'il y a dans l'awh al-mahfouz, il leur donne ce qui est écrit pour tout le temps, seulement le décret d'une année. Ça veut dire que durant la nuit de Laylatul Qadr, ce qui se passe jusqu'à la nuit prochaine va descendre sur terre. La vie. La mort. Abdullah ibn Abbas, vous savez ce qu'il disait? Il disait innaka la tara ar-rajul yamshi fil aswaq. Certes, tu vois l'homme, il marche dans les marchés. Waqad ismuhu kutiba fil mauta. Et son nom est déjà inscrit parmi les morts. Il se peut que durant les nuits, la Laylatul Qadr qui arrive, ça y est, c'est ton nom qui va descendre. Une liste de noms va descendre. Les noms de qui? Les noms de ceux qui vont mourir cette année. Regarde, subhanallah al-azim. Ça veut dire que toi, c'est un rappel. Toi, lorsque tu vis ces moments-là, lorsque tu vis ces moments, dis-toi que peut-être ton nom, il va descendre peut-être ce soir. Peut-être demain soir, peut-être après-demain soir, peu importe. Il va descendre et tu seras inscrit parmi ceux qui vont mourir. Alors, comme tu sais que le décret, il descend, dans ce cas-là, c'est quoi la chose la plus importante à demander? Al-afou, le fait qu'Allah, il te préserve contre toutes les mauvaises choses. C'est pour cela que tu dis, Allahumma innaka afouun, tuhibbu al-afwa, fa'afu anni. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner. Avant de terminer et de conclure, on avait commencé à faire le lien entre le Ramadan et la sadaqa. Le Ramadan, comme on l'a dit, le prophète alayhi salatu wa salam était généreux d'une manière générale. C'était l'homme le plus généreux de tous les êtres humains. Et cet homme alayhi salatu wa salam, le plus généreux de tous les êtres humains, était encore plus généreux quand arrivait Ramadan. Et le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'arrivaient les 10 dernières nuits, il redoublait de piété. C'est-à-dire que les actes d'adoration qu'il faisait, il doublait, il redoublait de piété, il en faisait plus. Et là, comme vous le savez, alhamdoulillah, nous avons depuis maintenant bientôt 5 ans le projet de notre nouvelle mosquée. Et chaque année, on s'est rapproché d'un grand pas. Chaque Ramadan, on se rapproche d'un grand pas. Et là, nous sommes dans l'étape la plus proche pour l'ouverture. C'est pour cela que, tout comme le mois de Ramadan, sa fin, on doit tout donner. Tout comme dans une course, regardez le cavalier,
Lorsqu'il arrive en fin de course, qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit. Non, c'est la fin, mais il met un coup de... La même chose, Ramadan, c'est la même chose. Tu as fait 20 jours, tu es fatigué, comme le cavalier lui a fait... À la fin, il arrive, il est fatigué, mais ce n'est pas la fatigue qui l'arrête. Lui, il veut gagner. La même chose avec nous, la même chose avec notre projet. On arrive, alhamdoulilah, à la fin. Pour ceux qui ont pu participer, pour ceux qui ont pu venir la visiter vendredi, vous avez vu de vos yeux où vos dons vont. Les dons qu'il y a et ceux qui n'ont pas pu, on a fait une petite vidéo de 3 minutes. Vous pourrez voir l'avancée des projets. Vous pourrez voir l'avancée du projet.